spéciale dédicace à mes amis de Fun Retro Games. Wouh! Et oui, Gordon Deza pour Games Deza TV. Pour une vidéo, encore une fois, achat et dons. Hein, oui, ça fait deux vidéos de suite où je vous présente mes achats et mes dons. Mais c'est surtout qu'il y a eu... Ouais, je m'y attendais pas, mais des dons, mais fantastiques! Fantastiques! Alors, je remercie les Cédric de Géant Casino. Et Cédric, hein, de l'Office de Tourisme, il se reconnaîtra, qui m'a encore fait un cadeau, mais énorme! Énorme! Je crois que ça y est, j'ai le joyau de notre collection. Ça y est. Hein, je remercie aussi Anouk, hein, qui a pensé à moi. Et on va voir tout ça, mais on va voir tout ça de suite, mais de suite après le générique! Voilà, après avoir relevé le défi de cette petite danse, hein, pour mes amis de la chaîne Fun Retro Games, hein, qu'il faut aller voir absolument, voilà, je la mettrai jamais en descriptif. Retour sur achat, on va commencer par les achats les plus... Voilà, les plus normaux, on va dire, voilà. Alors, Just for Games, hein, allez-y, je pense qu'il y a encore des promos Black Friday. Essayez d'aller voir si je publie pas la vidéo trop tard. Mais de toute façon, il y a des promos toute l'année chez eux. Ce colis m'a coûté 60 euros. Ouais, ça fait beaucoup, on se dit, hein, pour un petit colis comme ça. Mais pas mal de bonnes surprises. Alors, le Data East All-Star, hein, c'est une compile de jeux NES, hein, qui était hein, pour la plupart sortu à l'époque sur NES, hein, et réédité par Data East. Bon, il n'y a plus le saut de qualité à Nintendo comme à l'époque. Mais ça marche donc sur NES, hein. Je vais le tester ce soir d'ailleurs, puisque j'ai toujours ma NES qui est branchée ici. L'édition collector de Flashback 25e anniversaire. Voilà, c'est une édition collector avec quelques petits cadeaux à l'intérieur. Alors je crois qu'il y a... Il y a la bande son qui est offerte, bon, le manuel normal et des stickers. Une planche de stickers à l'intérieur. Enfin, c'est pas THE gros collector, mais bon, c'est quand même pas mal. Un jeu en VR, Down the Rabbit Hole. Voilà, un jeu en VR apparemment sympatoche, que je vais tester dès que je peux avec mes neveux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est pas fini. 60 euros, dites-vous bien, hein, que c'est le prix d'un jeu, hein, mais bon, là, après, voilà, vous n'avez pas non plus des jeux AAA, ça comme dit. Encore un Data East Classic Collection, mais sur Super Nintendo, celui-ci. Donc il y a quelques jeux de baston, hein, quand même, hein, à noter, hein, qu'il y a Fighter History et Fighter History 2, il me semble. Side Pocket, un jeu de snooker, de billard. Magical Drop, voilà, une espèce, et Magical Drop 2, hein, des espèces de Columns, Bubble Bobble. Incroyable, une souris aux couleurs de la NES, une souris 8 bits d'eau, hein, voilà, je trouvais ça curieux, allez, je l'ouvre vite fait, hop, sous vos yeux ébahis. Alors c'est marrant parce que voilà, vous retrouvez vraiment le design à l'ancienne de la NES, avec la petite croix multidirectionnelle sur le côté, voilà, et les deux boutons qui ressemblent vraiment à des boutons de NES. Sur AliExpress, j'ai commandé ceci, une figurine Megaman sans boîte. Vous pouvez commander avec ou sans boîte, évidemment. Si vous commandez sans boîte, ça revient moins cher. Et celle-ci, je l'ai eu pour 14 euros. Mais je la trouvais sympa sur les photos et les critiques étaient plutôt bonnes. Alors, voilà, à première vue comme ça, ça a l'air, voilà, sympa, sympathique. Plutôt bien peint. Alors, sauf que, voilà, à l'arrière, c'est à l'arrière qu'il y a des petits défauts, mais bon, on s'en fout. Hein, c'est des petits défauts qu'il y a sous ses fesses, on s'en fout. Hein, qui ira regarder jusque-là? Voilà, plutôt honnête pour le prix, j'ai envie de dire. Hop. Et par contre, je vérifiais juste un truc, c'est est-ce qu'il tenait bien debout? Oui, il tient bien debout. Parce qu'il semblait un petit peu mal équilibré, hein, avec ses pieds. Il tient bien, enfin bien. Il a plutôt tendance à se pencher en arrière. Hein? Ah oui, un petit peu mal équilibré quand même.
également sur AliExpress. Ouais, j'ai commandé un jeu Famicom, je sais c'est pas bien, c'est pas un officiel du tout, mais je tenais énormément à jouer à ce jeu, donc c'est Tokyo Shirei Soul Brain. Alors c'est un Metal Hero, c'est un, dans la lignée d'Ixor, on va dire. Alors pourquoi je n'ai pas pris un original alors que j'aurais pu, hein, je commande souvent au Japon. C'est parce que même au Japon il est hyper cher et hyper rare ce jeu. Soul Brain c'est un des meilleurs jeux de la NES et qui a été adapté. Attendez, je vous dis ça de suite. Alors, il a été adapté en Europe et aux États-Unis sous le titre de Shatterhand. Shatterhand, ouais, qui est un jeu très étonnant, hein, avec beaucoup de belles animations, des beaux sprites, c'est plein de couleurs. Il y a des scrollings en parallaxe, hein, si vous connaissez. Et c'est franchement la grande classe. On croirait un jeu 16 bits sur 8 bits. C'est vraiment une très très belle réussite, on va dire, sur NES. Mais c'est un jeu devenu rare, hein, malheureusement. Alors, et cher. Et voici le deuxième colis des éditions Hachette. Jingle. Les éditions Hachette. Les éditions Vachette présentent... Voilà, les éditions Vachette. Alors, aux éditions Vachette, deuxième colis. Hein, voyons voir. Je sais qu'il y a plein de vidéos déjà existantes à ce sujet. Mais je voulais le recevoir et me forger mon propre avis. Alors, attention, pour information, pour le montage numéro 3, la pièce B du montage numéro 3 est livrée avec le numéro 4 de votre collection. Le numéro 4, donc, qui sera reçu la prochaine fois. Il n'y a que deux volumes, là. Ok. Donc tout ça pour dire qu'il manque qu'une pièce qui sera dans le numéro 4. Là j'ai le numéro 3 et le numéro 2. Donc voilà, donc il y a la tête, hein, la tête du Goldorak, du Randizer, qui commence à prendre forme. Hein. Voilà, donc on va voir ça dès qu'on a le temps. Alors une petite. Ouh, pouf. Ah oui, petite. Une petite figurine d'Actarus. Actarus qui te guide à le cœur si plein d'amour. Alors il paraît que ce sont des stocks invendus en Italie qui ont été récupérés pour faire ces petits cadeaux. Ouais, mignon, sans plus. Mignon, sans plus, c'est très très mal peint. C'est même moins bien peint que la petite Megaman, hein, la grande Megaman que je vous ai montré tout à l'heure. Ouais, c'est peint, hein, comme dirait. Eh ben, je l'ai décapité. Bon, c'est pas grave. Il est tombé, il a perdu la tête. C'est pas grave, de toute façon, c'était un cadeau sans valeur. C'était très mauvais, c'était très, très mal peint, ça finira de toute façon. Un poubelle. Un classeur, voilà. Pour mettre la BD, enfin les fascicules, parce que dans chaque fascicule, il y a une BD, donc et pour avoir la continuité, vous pouvez les mettre dans ce classeur si vous voulez absolument connaître l'histoire palpitante qui est racontée dans ces fascicules des éditions Vachette. Les éditions Vachette. Les petits clins d'œil au festival Robles. Les dons, les achats c'est bon, les dons. Alors, Anouk. Alors, mon ami Anouk m'a fait part de ce don sympathique. Alors sur PSP, Tekken Dark Resurrection. Sur PSP toujours, Key of Heaven. Bon, PES 2009, bon ça, hein, on l'a sous plusieurs versions. Je pense pas que je m'amuserai à l'essayer. Et celui-là, je crois qu'on l'avait Gran Turismo. Voilà, sur PSP, plus pour y jouer. La PSP, hein, qui est sympatoche. J'avais pas ce modèle-là. J'avais vraiment pas ce modèle. Alors, est-ce que les Alim sont... Parce que je n'ai pas l'Alim. J'espère que les Alim sont compatibles entre les différentes PSP.
Et elle m'a également offert sa PS2, oh, qui est en plutôt bon état, mais bon, qui n'a jamais été ouverte, manifestement, et qui, en fait, vous le savez, si elle a été ouverte, ce scotch-là, il se gage. Voilà, enfin, il est coupé. Donc là, c'est bon, enfin, elle est juste un peu poussiéreuse. On verra si elle fonctionne. Elle m'a pas donné de câble, mais c'est pas grave. Ce sont des câbles assez standards, hein, en général, pour la PS2. Ensuite, on va passer avant le gros, le big present, les dons de Cédric de Géant Casino. Tiens, c'est la PS2 qui est tombée. Des PLV, encore des PLV, là, de Mario Kart Live Home Circuit sur Switch. Hein, ce fameux Mario Kart un peu, enfin, révolutionnaire, hein, où on est en caméra embarquée dans votre appartement ou votre maison, et vous créez en fait le circuit dans votre maison, et tout apparaît ensuite dans votre Switch. Voilà, bon, encore faut-il avoir de la place à la maison, évidemment. Cette très très belle PLV ici même, hop, je vous montre, c'est une PLV Game & Watch. Voilà. Ce n'est pas la Game & Watch de Shaquille O'Neal, non, c'est bien une PLV. Voilà, donc c'est vide à l'intérieur, mais je la trouve magnifique, cette PLV. Merci Cédric, c'est vraiment très 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 sympa. Donc j'ai la version Mario et la version Luigi, hein, pour Mario Kart Home Circuit. Ensuite, Cédric, l'autre Cédric, vous savez, les deux donateurs exceptionnels. Alors, une DualShock 1, transparente et en très très bon état parce qu'elle a pas jauni. Une manette PS1 classique. Un multitap PS1. Un peu plus rare. L'adaptateur Joy-Con. C'est pas le Joy-Con. Pourquoi je dis le gun, je sais plus comment ça s'appelle. Hein, enfin bon, bref. Et la souris PS1, voilà, pour jouer à certains jeux, hein, comme le Chevalier de Baphomet ou la suite là, de Chevalier de Baphomet, les boucliers de Quake Lax et de Tank Run Trek. Voilà, hein, bref. Voilà, très sympa, donc je vais tester tout ça. Une carte mémoire, voilà, originale. Comme ça, je vais pouvoir tester la fameuse manip, justement, où on peut récupérer selon une astuce qui est sortie, qui a été révélée 20 ans plus tard, voilà, on peut récupérer des sauvegardes effacées. Alors il m'a aussi offert sa PS1 customisée, voilà, alors c'est une PS1 avec les prises RCA derrière, mais qui a déjà été, il y a déjà eu une tentative de démontage, comme vous voyez, il n'y a pas toutes les vis, donc voilà, il baille un petit peu. On va voir s'il fonctionne ou il ne devrait pas fonctionner. Est-ce que je peux quand même te rappeler dans 10 minutes? 10 minutes, c'est bon? Voilà, parce que je suis en train d'enregistrer ma vidéo et je finis dans 10 minutes. C'est bon? Allez, à tout à l'heure. Et je te fais un coucou dans la vidéo. Coucou à Jack qui vient de m'appeler pendant l'enregistrement. Voilà. À tout de suite, allez. Alors, et une PS1 qui, celle-ci, est plus récente et aux dernières nouvelles, fonctionner. On testera également. Ensuite, bon, il m'a fourni les câbles, voilà, tout ça. Je sais que vous vous en foutez. Je sais que ce que vous attendez, c'est ce que vous allez voir maintenant. Et là, les enfants, là, ça, c'est du lourd. Ça, mes amis, ça. Mais ça, regardez, mais ça vaut toutes les PS5 de la planète. Ça, c'est le set Deluxe, le Deluxe set de la NES, avec Rob le robot, avec le pistolet de Kunt, Gyromite, la console de manette, blablabla, en super état. Alors, il m'avait déjà donné, hein, le Gyromite, il m'avait déjà donné quelques accessoires, je sais plus quoi. Oui, quelques accessoires du Rob le robot, tout ça. Bon, il n'y a pas Rob le robot, il le recherche toujours, mais comme j'en avais déjà un, j'ai trouvé une maison pour lui. Regardez-moi ça,
ça, c'est un des bundles, on va dire, les plus rares hein, de la NES. Alors on va ouvrir un petit peu pour voir un petit peu l'état. Alors j'ai déjà un petit peu rafistolé ici parce qu'elle est un tout petit peu abîmée au niveau de l'ouverture. Mais, voilà. Non mais regardez-moi ça, il y a le polystyrène. Bon, il n'y a que celui du dessous, il n'y a pas celui du dessus. Mais c'est l'essentiel. Ne rien abîmer, ne rien abîmer, ne rien faire tomber par terre. Voilà. Regardez-moi ça. La boîte, dans quel état elle est? C'est fantastique. C'est incroyable. Incroyable. Et donc, dedans, vous avez, hop, la NES, le pistolet, deux manettes, et il m'a donné en bonus, hop, la NES Advantage, vous connaissez, voilà, le joystick spécial NES. Il y a même encore... Alors, la petite étiquette qu'il y avait au-dessus des... vous savez, au-dessus des toupies. Toupies. Et je vais regarder si c'est les mêmes. Là, la NES qui est en... comme neuve. Elle est mint. Excusez-moi, elle est en super état. Et comme j'ai ramené mon robe... il était retourné à la gaming room et puis il est revenu ici dès que j'ai eu la boîte. Je suis parti le chercher. On va voir si les toupies, juste pour l'étiquette de la toupie, ah oui bah oui, ça n'a rien à voir du coup. Hop, la différence. Voilà, l'étiquette française et l'étiquette japonaise, donc qui n'est pas la même, alors que la toupie est restée la même en France, c'est à dire qu'elle a gardé les couleurs hein, de la Super Famicom. Hop, et ben voilà, du coup je suis aux anges, j'ai même l'étiquette française, hop, je la mets par dessus. Voilà, c'est fantastique. Je n'ai pas les mots. Je crois que c'est mon plus beau cadeau de Noël avant Noël. Voilà, il n'y a plus besoin de rien m'offrir à Noël, c'est bon, j'ai ce qu'il faut, c'est fantastique. Je pense que tous ceux qui tenteront de m'offrir un truc à Noël, non, ça va être dur. La barre est très très haute. Cédric, je pense que tu peux plus rien m'offrir de mieux si ce n'est ta maison. Merci mille fois. Merci à tous les autres donateurs, hein, j'oublie pas, hein, évidemment. Vous pouvez continuer quand même à donner hein, des consoles et des jeux. N'oubliez pas que pour tout ce qui est next-gen, hein, parce que là, bon, il y a du rétro, mais tout ce qui est next-gen, hein, de les donner à la recyclerie Dino. Hein, je le répète, hein, je l'avais déjà dit dans la dernière vidéo, mais on récupère donc pour une opération spéciale écologie et solidarité avec les familles un petit peu dans le besoin hein, et qui ne peuvent pas avoir de jeux vidéo. Donc, les next-gen... à la recyclerie Dino, sortie nord de Porto Rico, déposez-les, il y en a besoin, il y en a besoin, franchement, voilà, déposez-les avec des jeux, des accessoires, ce que vous voulez, mais que ce soit fonctionnel, hein, ou pas, c'est-à-dire c'est assez compliqué, on n'aura pas le temps de les réparer, donc vaut mieux qu'elles soient déjà fonctionnelles, voilà. Merci beaucoup, merci à tous, merci à tous les nouveaux abonnés, merci aux anciens abonnés, merci à tous les donateurs, merci à ma famille, merci à mes collègues, merci à qui vous voulez, voilà, et à une prochaine vidéo. Merci à Jack aussi d'avoir appelé, je le rappelle de suite. Allô ? Ouais, excuse-moi, j'ai dû couper.